Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch God Mode sur la map d'Erenfang de Call of Duty Vanguard Zombie. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra que vous soyez deux joueurs. Alors si vous n'avez pas de deuxième joueur, n'hésitez pas à mettre votre gamer tag ou votre pseudo console en commentaire pour trouver d'autres joueurs. Ou alors vous pouvez rejoindre le Discord que je mettrai en description en commentaire épinglé. C'est un Discord où vous allez pouvoir trouver d'autres glitchers pour réaliser ce glitch. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si jamais ça vous intéresse. Alors le God Mode est très facile à réaliser, mais cependant il n'est pas parfait. Parce que pour rester en God Mode, il ne faudra pas que vous bougiez. Donc il faudra faire le God Mode à côté d'une caisse de munitions et vous ne pourrez pas cutter, vous ne pourrez que tirer avec votre arme. Et vous ne pourrez pas dépasser la manche 3. Je pense que la manche 3 c'est le maximum. Ou alors c'est la manche 2, je ne sais plus trop. Mais s'il y a des zombies hurleurs qui explosent, le God Mode ne fonctionnera pas. Ou si par exemple il y a des zombies élites, je pense aussi que le God Mode ne fonctionnera pas. Donc pour réaliser le glitch, vous ne devrez pas dépasser la manche 3. Par contre, si vous utilisez l'astuce pour avoir 100 000 points à la manche 1, que vous pouvez retrouver dans ma playlist qui est en description, en commentaire épinglé, où il y a tous les tutos de la map d'Erenfang. Et bien si vous utilisez cette astuce, vous pourrez améliorer toutes vos armes au niveau maximum et acheter tous vos atouts et tout ce que vous avez besoin pour réaliser le glitch. Alors quand vous êtes prêt à réaliser le glitch, ce que vous faites, c'est que vous allez dans un objectif de récolte ou alors un objectif de transmission. Mais je vous conseille quand même l'objectif récolte, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, quand vous êtes dans l'objectif récolte, ce que vous allez devoir faire, c'est vous placer à côté d'une boîte de munitions. Donc il y a un joueur qui va se placer dans un coin de la boîte de munitions et l'autre joueur va tout simplement rentrer dans le joueur qui est dans le coin. Pour faire en sorte que les deux joueurs soient l'un dans l'autre. Et si vous avez bien fait ça, vous allez voir que les zombies vont se paquer en face de vous et ne pourront pas vous attaquer. Parce qu'en fait, vous allez être deux joueurs en un joueur et ça va faire bugger le jeu, donc vous serez en God Mode. Vous serez invincible contre tous les zombies. Donc de ce fait là, vous allez pouvoir tirer sur tous les zombies et récupérer vos munitions dans la boîte de munitions. Bien entendu, les zombies, quand vous les tuez tout près de vous, ils vous lâchent des munitions, des bonus et tout ça. Donc logiquement, vous n'aurez pas forcément besoin d'acheter des munitions, mais c'est au cas où. Et de là, bien entendu, vous allez pouvoir monter le niveau de toutes vos armes et vous allez pouvoir monter le niveau de vos personnages et de votre niveau normal. Donc c'est un glitch super facile à faire et ce qui est bien aussi c'est que ça fonctionne dans toute la map. Vous pouvez aller dans n'importe quel coin et faire cette manipulation pour justement être en God Mode. Donc c'est assez stylé. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace. Yummy, bruh.